Mais qu'est-ce que tu as? Tu cherches quelqu'un? Je suis un peu surpris de ne pas voir Patrick Duval. Duval. C'est le père de Frédéric? Oui. Pourquoi? Tu le cherches? Oui, car il vient toujours me donner un coup de main d'habitude pour la fête du village. Et cette année, il n'est pas là. Il est peut-être malade. Il a eu un empêchement. Peut-être. En tout cas, à cause de ton succès, il a de moins en moins de clients. Son restaurant? Eh oui, son restaurant. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Angèle. Bonjour Lucie. Je parie que tu nous as fait des petits farcis. Ça a l'air délicieux. Je peux goûter? C'est bien parce que c'est vous, hein? Ça n'a pas seulement l'air délicieux, c'est vraiment délicieux. Vous me donnerez la recette? C'est une recette que ma grand-mère a inventée. C'est un secret de famille. Mais enfin... Alors, voilà. Pour bien réussir des petits farcis... Allez, venez. Raymond! Et voilà la soca! Et Joseph! Mais vous aussi, vous vous êtes mis à la cuisine? Non, c'est ma femme qui l'a fait. C'est la meilleure cuisinière du village. Oh, ça fait plaisir de vous entendre dire ça, Joseph. Oui, enfin, c'est parce que je lui ai appris. J'ai été cuisinier sur un bateau quand j'étais jeune. Oh, vous ne nous aviez pas dit ça. Qu'est-ce que c'est? Des beignets d'aubergine. Oh, des beignets d'aubergine? Je sens que Bernard va bientôt changer ses menus. Mais qu'est-ce que tu as? Tu cherches quelqu'un? Je suis un peu surpris de ne pas voir Patrick Duval. Duval. C'est le père de Frédéric? Oui. Pourquoi? Tu le cherches? Oui, car il vient toujours me donner un coup de main d'habitude pour la fête du village. Et cette année, il n'est pas là. Il est peut-être malade. Il a eu un empêchement. Peut-être. En tout cas, à cause de ton succès, il a de moins en moins de clients. Son restaurant? Eh oui, son restaurant.